Curiosité.net, d'Octave Mirbeau, conte Grand 1. Lecture Alain Bernard, illustration musicale. Ouverture du Barbier de Séville, Rossini. Licence Musopen. Enfin seul. Je possède un oiseau très bizarre. Il s'appelle Nicolas. Et voilà pourquoi. Comme j'avais convoqué une assemblée internationale, d'aucuns disent congrès, de très savants ornithologistes, pour déterminer l'espèce de ce volatile inconnu, l'un de ces hommes de science déclara: C'est un nid-nicolore. La femme de basse-cour qui assistait à la réunion entendit: C'est un Nicolas. Et aussitôt elle alla par le village colporter la bonne nouvelle. C'est un Nicolas, c'est un Nicolas, et le nom resta l'oiseau. Ainsi se propagent les erreurs et les mensonges dont vivent les hommes. Car ce n'était pas un nid nicolore, comme vous le pensez bien, et comme vous le verrez par la suite de cette véridique histoire. Une matinée, j'avais vu cet oiseau dans le jardin, mêlé aux moineaux et aux pinsons, avec qui il semblait faire bon ménage. C'était un admirable oiseau, d'un jaune resplendissant. Il avait un bec puissant et terrible. La tête et le col d'un noir de velours, deux petits yeux rouges, pareils à deux petites perles de corail. Il était de la grosseur d'un jeune merle. D'où venait-il? Ah, voilà. Bien que je ne sois pas savant en ornithologie, je jugeais tout de suite que cet oiseau n'était de nos pays. Rien qu'à sa parure trop éclatante et comment dirais-je, rastaquéric, il n'y avait pas à douter qu'il fût étranger. À sa familiarité, à ses allures peu farouches, quand je m'approchais de l'arbre où il perchait, il n'y avait pas non plus à douter qu'il se fût échappé d'une volière. Naturellement, j'avais d'abord songé à lui tirer un coup de fusil. La première idée qui nous vient devant une chose belle et que l'on ignore, c'est de la détruire. Et puis, pour un Français vraiment patriote et qui chaque matin lit avidement le petit journal, d'être étranger, cela ne constitue-t-il pas, même pour un oiseau, le plus grand des crimes? Tout au moins, la plus ineffaçable des tares. Je réfléchis en outre, ayant remarqué la courbe décriée de son bec, que cet oiseau pouvait bien être juif, ou la juiverie ne va-t-elle pas se nicher? Mais les oiseaux ont d'autres idées que nous. Ils entendent le patriotisme à leur façon, et ils ne savent pas encore toutes les beautés de l'antisémitisme. Ce sont des personnages peu cultivés, en somme. Ceux de mon jardin avaient accueilli l'ennemi, sinon avec amitié, du moins avec déférence. Ils lui laissaient partager leurs ébats dans les marronniers, et manger au même bémur. Après tout, ça les regarde, me dis-je. Et je pris le parti de faire comme avaient fait mes moineaux et mes pinsons, et d'accepter cet étranger dans le jardin. Que voulez-vous? Je ne suis pas un héros. Le petit journal est un journal républicain, conservateur et anti-Dreyfusard. L'automne approchait, un automne pluvieux et froid. Et voici que le pauvre Nicolas devenait frileux, triste et abandonné. Les oiseaux de passage étaient partis. Il n'y avait plus de huppes, plus de loriots, plus d'hirondelles. Presque toute la journée, il restait perché sur une branche d'acacia, enflant ses plumes ternies, le dos rond, comme ces poitrinaires dans les hospices qui viennent caresser, aux rayons de leur dernier soleil, leur toute prochaine agonie. Je pensais que Nicolas était sans doute un exilé des pays chauds, un oiseau de soleil et de lumière, et que l'hiver allait le tuer, l'horrible hiver, tuer de petits oiseaux. Que faire pour lui trouver un abri pendant la mauvaise saison? À force d'astuce et de patience, je le capturai et je l'installai aussi confortablement que possible dans une vaste cage, pourvue de tout ce dont a besoin un oiseau moderne. Et aussitôt, il redevint joyeux et brillant. Et il se mit à chanter, à chanter. Oh, ce chant! Je n'oublierai jamais l'impression qu'il me fit. C'était un chant étrangement rauque, guttural et pourtant sonore. Cela tenait de la flûte, du tambour, de la locomotive, des grincements de portes. Un chant de guerre ou de scalp, comme on entend les sauvages de l'Afrique et les anthropophages de l'Australie. Un chant de nègre, pour tout dire, sans réticence. Car il n'était pas juif, cet infortuné Nicolas. Il était nègre, on n'en pouvait plus douter. Mais j'ai déjà, il me semble, raconté quelque part des choses, ces choses passionnantes et mystérieuses, et comment,
Il advint qu'une fois en cage, Nicolas se mit à construire, avec des brindilles de raffia et des bouts de ruban, des monuments extraordinaires et compliqués, et comme les architectes blancs en construisent à l'époque des expositions universelles. Des années se passèrent, Nicolas butinait et chantait, je ne veux pas revenir sur des particularités très intéressantes que j'ai relatées jadis, et qui m'ont valu des correspondances actives avec les plus vieilles demoiselles et les plus savants naturalistes du globe. L'été, je donnais à Nicolas la liberté, ou presque, dans une magnifique volière où poussaient quelques cépés de chênes et de coudriers, ce qui lui procurait l'illusion de forêt profonde. L'hiver, il réintégrait sa cage, où il se livrait à toutes sortes d'architectures, et où il chantait comme un perdu. Et tout allait ainsi, le mieux du monde. J'ignorais toujours ce qu'était Nicolas. En vain, j'avais interrogé d'universels savants, et les plus extravagants, d'entre les explorateurs centrafricains ou extra-tibétains. Ils ne savaient rien. Le prince d'Orléans, Henri d'Orléans, 1867-1901, explorateur, prétendait que c'était une espèce de serin, sans doute serin constructeur, mais il ne pouvait l'assurer. Je commençais à croire que Nicolas n'était pas un oiseau, mais bien une fée, quand tout dernièrement j'appris du général Archinard, on ne s'avise pas de tout, que Nicolas était un tisserand cap de mort, que c'était bon, très bon à manger, et qu'au Sénégal, d'où cet oiseau était originaire, le dit général en avait mangé qui était aussi succulent et d'un aussi agréable fumée que de jeunes nègres. Et voici ce qui arriva. Dès que je sus quel était enfin l'espèce à laquelle appartenait Nicolas, je n'eus de repos que par une manie de vieille femme ou de curé, je lui eusse donné une compagne, ainsi que Dieu aima Adam dans le paradis terrestre, s'il faut en croire la Genèse. Mais si les tisserands mâles sont rares, les femelles le sont bien plus encore. Je m'adressai à tous les marchands d'oiseaux de l'Europe sans succès. On n'en avait plus vu depuis longtemps. Peut-être le général Archinard les avait-il toutes mangées. Enfin, il y a un mois, j'en reçus une d'Anvers. Elle paraissait sémillante et fort jolie, jeune à souhait, et coquette à miracle. « Heureux, Nicolas, dis-je. » Et j'introduisis la jolie oiselle dans la cage. Mais, à ma grande stupéfaction, Nicolas manifesta une vive colère. Il hérissa ses plumes et son œil rouge devint violet. Puis, il se précipita sur sa compagne qu'il bourra de coups de bec furieux. Je crus d'abord qu'il allait la tuer. La pauvre petite, qui s'attendait évidemment à un autre accueil, voletait dans la cage pour échapper aux brutalités de Nicolas et se meurtrissait les ailes au barreau. Puis, le premier moment de colère passé, Nicolas devint nettement méprisant. Il affecta de ne pas la voir, de ne pas même savoir qu'elle était là, et il lui tourna le dos. Ils vécurent ainsi durant 15 jours. Elle n'osait plus bouger, et c'est timidement, avec toutes sortes de ruses et de détours, qu'elle allait manger son chènevis et son mil. Lui ne chantait plus. Morose et triste, ou plutôt honteux, il ne quittait jamais son perchoir, où il restait immobile, le dos rond et les plumes bouffantes. Et il ne chantait plus, s'obstinait à ne plus chanter quand par hasard elle approchait un peu trop près de lui. D'un coup sec, sans bouger de place, il lui donnait du bec dans la tête, affectant, même en cette correction, de ne pas la regarder. Et je sentais son petit regard rouge sur moi, son petit regard chargé de reproches, et qui semblait me dire « Ah, tu veux que je chante ? Eh bien, jamais plus je ne chanterai !»